Elles ont juste changé de lieu. Les presses, dont certaines pèsent plus d'une tonne et autres machines à graver, ont retrouvé leurs activités, ainsi que la quarantaine d'adhérents. L'association Art Gravure a pris possession de ces nouveaux locaux de 100 mètres carrés. C'est superbe, même s'ils sont plus petits que ce que nous avions. Mais du coup, on a optimisé tous ces mètres carrés et on trouve finalement, on s'y sent bien. On trouve que ça, c'est très convivial. Et on a moins d'espace entre les différents postes de travail, mais c'est tout à fait suffisant. Fondée il y a 41 ans, l'association était jusqu'à présent à Élancourt. La raison de son déménagement, les travaux de la zone artisanale des 4 arbres. Son point de chute, le centre commercial du village à Coignières. J'ai considéré que l'activité d'art gravure était une activité importante. C'est un véritable patrimoine, un patrimoine immatériel avec ses adhérents qui sont des artistes et un patrimoine matériel avec ce que vous voyez ici, c'est-à-dire l'ensemble des presses. C'est une fierté pour moi parce que c'est une association qui s'inscrit dans l'histoire et moi je suis prof d'histoire donc quelque part ça me touche. Prochain rendez-vous de l'association, le marché de Noël de la ville de Coignières et les portes ouvertes en décembre. Art Gravure peut maintenant graver un nouveau chapitre de son histoire.